Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Retour à la parole. Je vous crois bien installé devant votre poste téléviseur et comme vous aimez le Seigneur, je le crois, nous allons ce soir nous encourager par la parole du Seigneur. Jésus a dit « Fortifiez-vous par ces paroles » et je crois que c'est sous cette recommandation que nous voulons ce soir partager sur la Bible. Le livre, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre de contes, mais c'est vraiment la parole de Dieu. Donc, ce soir, comme ça, avant de commencer, je souhaitais qu'on présente ces moments au Seigneur, à travers la prière, et puis en même temps inviter tous ceux-là qui nous suivent, si chacun peut prendre son stylo, et prendre sa Bible, pour noter et vérifier ce qui se dira à la lumière de la parole, si nous restons sur la parole, ou alors nous allons raconter... des histoires du quartier. Mais je voulais vraiment nous inviter à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir parce que tu es notre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu as permis, tu as voulu que ce temps te soit consacré et tu as voulu qu'en ce moment précis, nous parlons de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te recommander nos oreilles, nos cœurs, nos pensées. Nous voulons te soumettre tout homme, toute femme qui suivra cette émission. Et nous voulons, Seigneur, au Père, que ton esprit se saisisse de chacun de nous et nous conduise dans toute la vérité. Nous voulons, Seigneur, que tu nous enseignes tes voies. Nous voulons te soumettre toutes choses, Seigneur. Père, viens glorifier ton nom. Que ta parole vienne nous délivrer de l'ignorance. Que ta parole vienne nous affranchir de l'esclavage des hommes. Que ta parole vienne nous affranchir, Seigneur, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux frères, des fausses sœurs, Seigneur. Que ta parole soit cette lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous éclaire, qui nous oriente. Afin que, Seigneur, nous marchions droitement vers toi, que nous soyons orientés vers le ciel, Seigneur. Nous voulons, ô Père, attendre cette cité que tu nous as promise, que tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob, cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Ô Dieu, qui a des solides fondements. Ô Seigneur, qui est ton habitation, Père. Tu as voulu que ton peuple, Seigneur, ô Père, ait l'espérance en toi. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir et nous te recommandons ces moments. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, je bénis encore le Seigneur pour votre fidélité. Vous êtes à l'émission Retour à la parole. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Nous voulons parler de l'amour de Dieu parce que... Pourquoi parler de l'amour de Dieu? Parce que humainement, nous connaissons... ce terme dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans les magazines que nous lisons, les journaux, on parle beaucoup de l'amour, l'amour, l'amour. Et souvent, nous nous posons la question, quel amour nous parlons? C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour du Seigneur, c'est un amour très profond. Ce n'est pas l'amour qu'un jeune peut avoir pour sa copine ou bien un papa peut avoir pour ses 18 femmes ou bien ses 3 concubines. Ou voilà. Aucun père peut avoir pour son fils ou vice-versa. Mais c'est l'amour du Dieu créateur. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé et dont nous nous demandons s'il existe. C'est lui qui a tout donné à l'homme. Et l'homme se demande, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a donné cela? C'est de cet amour-là que nous voulons parler, de l'amour de Dieu. Le Dieu qui a tout créé, qui est invisible. Le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il va aimer l'homme. Et nous allons prendre la parole du Seigneur dans Jean chapitre 15, à partir du verset 9. Jean chapitre 15, verset 9. Nous allons lire quelques versets dans ce passage pour effectivement un peu comprendre ce que le Seigneur Jésus, qui est Dieu, effectivement, ce qui nous enseigne sur l'amour de Dieu. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Le verset 12. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Et je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Jésus nous parle de l'amour de Dieu. On va prendre le verset 16, effectivement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Donc Dieu nous enseigne au sujet de l'amour. Dieu nous enseigne au sujet de son amour agapé, agapao, l'amour de Dieu, l'amour désintéressé, l'amour qui ne profite pas, l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Cet amour, c'est Dieu qui peut mettre ça dans le cœur de l'homme. Alors, cet amour, comment il s'est manifesté, effectivement? Nous voyons la création dans Genèse chapitre 1, comment Dieu a créé toutes choses. Il a créé les cieux, la terre, il a créé les animaux, il a créé tout ce qu'on va appeler la création. Et Dieu va revenir sur cette expression que tout était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que c'était très bon. Vous voyez comment Dieu va commencer dès la création des Genèses à focaliser son amour sur l'homme. Et c'est cet homme, sujet de l'amour de Dieu, chéri par ce Dieu, qu'il va trahir cet amour. L'homme, aussitôt créé, aussitôt équipé par tout ce que Dieu va lui faire comme don, il va automatiquement trahir cet amour. En quoi faisant? Dieu, dans son amour, il va donner le commandement. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous avons vu dans Jean chapitre 15, verset 12. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour du Seigneur consiste à garder sa parole. L'homme, objet de l'amour de Dieu, il va recevoir des instructions. Dieu lui dira, tu ne mangeras pas à ceci. Le jour que tu vas manger, tu mourras. L'homme va trahir cet amour. En quoi faisant? En violant le commandement de Dieu. Et il va se trouver dans le péché, dans Genèse 3. Effectivement, l'homme sera chassé de cet environnement d'amour, de cette protection de l'amour de Dieu, de cette présence magnifique du Seigneur. Il va se trouver hors du jardin. Et hors du jardin, privé de cet amour, privé de la présence de Dieu, il va commencer à fabriquer un type d'amour, un type d'amour, un type de miséricorde. Il va faire sa justice, littéralement. L'amour du Seigneur. Frères et sœurs, combien d'entre nous avons été trahis, soi-disant, dans l'amour qu'on a eu sur un frère, une sœur, un ami? Sur cet attachement, cette confiance qu'on a eue vis-à-vis d'un frère, et il a trahi cet amour. Combien, vous qui nous suivez, par exemple, concernant les femmes, tu as donné ton cœur à ce jeune, tu as dit, je t'aime, et il a fini par te trahir. Combien ton propre parent t'a promis tellement de choses. Et il a trahi cet amour. Et tu te trouves blessé. Tu te dis,
Mais comment l'homme est aussi cruel? Frères et sœurs, nous ne sommes pas les seuls, les premiers à recevoir ce type d'échec, ce type de blessure. Dieu, dans son amour propre, a été touché par la trahison, par le degré d'égarement de l'être humain. On va prendre Genèse chapitre 3. Vous allez voir, c'est ici. Genèse chapitre 3. On va prendre à partir du verset 7, Genèse 3, verset 7. Genèse 3, 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils conçurent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent le vent du jour, la voix. Ils attendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Dieu qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Dieu appela Adam, lui dit, Où es-tu? Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu? N'est-ce pas, as-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh, Dieu, dit à la femme, Pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Alléluia. Vous voyez ici, frères et sœurs, Dieu avait tellement fait confiance à l'homme. Adam, il a pris Adam, il a instruit Adam selon ses voies, il a inculqué la pensée de Dieu, il a communiqué à l'homme et à la femme. Malheureusement, aussitôt, voici l'homme qui se détourne de ce que Dieu lui a donné comme enseignement, comme instruction. Et Dieu, effectivement, ce Dieu d'amour, va revenir le soir pour visiter ce jardin, pour parler à l'homme. Parce que l'homme était habitué dans cet environnement de présence du Seigneur. L'homme était habitué à écouter Dieu, à communiquer avec lui, sans peur, sans crainte. Il ne pouvait pas se cacher parce qu'il était dans l'environnement de l'amour de Dieu. Il vivait dans cet amour. Mais ayant violé le commandement, ayant violé la loi du Seigneur, l'homme se trouve dans la peur. Le premier sentiment, lorsque nous trahissons l'amour que nous avons pour Dieu, nous vivons dans la peur, dans la crainte et nous cachons de sa présence. Parce que nous avons peur d'être cramés, d'être consumés par le feu de sa présence. Rien que l'amour du Seigneur peut nous consumer. Parce que, frère, ce n'est pas l'amour d'un homme, c'est l'amour de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu aussi grand, qui a fait les cieux son trône, la terre son marchepied. C'est cet amour, l'amour de ce Dieu, ce grand Dieu, qui vient comme ça nous voir, qui vient se confronter à l'homme pécheur, l'homme condamné au péché. Et c'est celui-là, c'est cet amour-là que nous voulons vivre. Frères et sœurs, Adam, effectivement, Adam et Ève, ils ont violé ce commandement du Seigneur et ils ont été chassés. Ils ont été chassés, frères. Et Dieu, effectivement, vous allez lire toute la Bible, vous allez voir que l'amour du Seigneur pour l'homme n'était pas parti. Parce que Dieu va toujours chercher par tous les moyens comment sauver l'homme. Comment ramener l'homme à cet amour. Comment rapprocher l'homme de Dieu. Effectivement, vous allez voir ici, on va prendre Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Hébreux 1, 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux 1, 1, la Bible dit ceci. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges.
lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant fait par lui, par lui-même, la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. La Bible nous dit dans ce passage d'Hébreux, dès le départ, que Dieu nous a parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises par les prophètes. Dieu s'est servi des prophètes pour se rapprocher de l'homme. Dieu va se servir de Moïse, d'Abraham, d'Abel. Il va se servir de Noé. Il va se servir d'Abraham. Il va se servir d'Isaac, Jacob, de Moïse, d'Élie, d'Élisée. Il va se servir de Habakkuk, de Amos, de Sophonie, de tous ces prophètes. Dieu va se servir d'eux pour nous communiquer son amour. Parce que l'homme était dévoué au péché. L'homme était éloigné de Dieu par le péché. Et Dieu va se servir de ces hommes pour révéler son amour à l'homme. Il va utiliser les sacrifices. Il va enseigner aux hommes des holocaustes, des actions de grâce, pour prouver son amour à l'homme. Parce que l'homme avait perdu la communion avec Dieu. Dieu, dans son amour, vous voyez un Dieu aussi grand, il va se rapprocher de l'homme. C'est plus qu'une religion. Parce que la religion, c'est quoi? C'est que l'homme va monter vers Dieu. L'homme va chercher une relation avec Dieu. Mais dans notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, lui, dans son amour, il vient vers nous. C'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui vient chercher l'homme, parce que l'homme est perdu. Voici l'amour du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu vient à nous. On va prendre Romains 5, 5. Juste pour prouver l'amour du Seigneur pour nous. Comment ce Dieu va venir jusqu'à nous pour nous sauver? Parce que frère, si nous comprenons l'amour du Seigneur, personne ne peut se glorifier. Personne ne va se glorifier en se disant que c'est parce que je suis bon que Dieu m'a sauvé. C'est parce que je suis juste que Dieu m'a sauvé. Non, personne n'est juste, pas même un seul. Personne. On va prendre Romains 5, 5. Merci les frères pour ceux qui sont du côté de la régie. La Bible nous dit, « Or, l'espérance ne rend pas honteux. » Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour les impies. Pour les impies. Car à peine quelqu'un mourrait-il pour un juste. Mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un aurait-il l'audace de mourir. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! Dieu prouve son amour de ce que lorsque nous étions encore pécheurs. Donc, lorsque toi et moi nous étions dans le péché, Jésus avait déjà fait le sacrifice. Jésus avait déjà été immolé avant la fondation du monde. Donc, même dans Genèse, lorsque Adam et Ève meurent, frères et sœurs, Dieu avait déjà pourvu au salut de Adam et de Ève. En quoi faisant? En sacrifiant son fils avant la fondation du monde. On va prendre Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse 13, 8. Apocalypse chapitre 13, verset 8, merci. « Et tous les habitants de la terre l'adoraient, et ceux dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. De l'agneau tué dès la fondation du monde. » La Bible nous dit que l'agneau avait été sacrifié, avait été tué dès la fondation du monde. Donc l'amour du Seigneur a été manifesté avant la création, frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Que Dieu a pourvu au salut de l'humanité
avant la création. Ça veut dire que ce n'est pas à la croix que Dieu nous prouve déjà son amour, mais Dieu, avant la création, avait déjà immolé son Fils pour le salut de l'humanité. Pour toi qui vis dans la pornographie, pour toi qui es dans le concubinage, dans l'impudicité, toi qui es dans le vol, le mensonge, les braquages, la violence, toi qui es dans la rébellion, toi qui ne respectes personne, toi qui ne crains personne, toi qui ne te soumets à personne, le salut, le sacrifice avait déjà été donné, tué, la Bible nous dit effectivement, avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'il y a le salut de l'homme. Dieu avait pourvu au salut de l'humanité parce qu'il avait pourvu à cela avant la chute d'Adam et Ève. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer, c'est parce que tu le veux. Mais Dieu, dans son amour, avait déjà prévu le salut de l'homme. Parce que la Bible nous dit que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est un abîme, frères et sœurs. Et Dieu, pour sauver l'homme, il a prévu le sauver par le sacrifice de son Fils. Waouh, frères et sœurs. Voici l'amour du Seigneur. C'est un amour désintéressé. Dieu n'a rien demandé à l'homme. Dieu n'a pas dit à l'homme, fais un sacrifice pour que je te sauve. Comme aujourd'hui nous voyons dans les religions de la planète, le taoïsme, le sintoïsme, l'hindouisme, le catholicisme, le protestantisme, l'islam, ainsi de suite, toutes ces religions veulent se rapprocher de Dieu par des sacrifices, des ablutions. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut le cœur de l'homme. Il veut déverser son amour dans notre cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu a été manifesté, elle a été déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire que si aujourd'hui Willy peut aimer Dieu, ce n'est pas parce que j'aime Dieu par mes forces, mais c'est parce que Dieu a pourvu à cet amour, il a déversé son amour dans mon cœur par son Esprit. Et là, c'est très fort. Dieu lui-même me sauve. La Bible dit que personne ne peut venir au Père à moi si le Père ne l'attire. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui m'attire. C'est Dieu lui-même qui se révèle à moi pour que je devienne chrétien. Et pour me maintenir en Christ, qu'est-ce que Dieu fait? Il va déverser son amour dans mon cœur pour que j'arrive à l'aimer, que j'arrive à l'adorer, j'arrive à chercher ce qui plaît à Dieu. Il déverse son amour dans mon cœur. Pourquoi? Parce que quand il me sauve, il me marque de son sceau et le sceau de son esprit. Donc l'amour du Seigneur est automatiquement déversé dans le cœur du chrétien. C'est pourquoi tu peux aimer la prière, tu peux aimer la méditation, tu peux aimer la louange, l'adoration du Seigneur, la présence de Dieu. Tu vas haïr le péché parce que l'amour du Seigneur va te détacher de l'amour du monde. Ça va te détacher de l'amour du péché. Et c'est ça la justice de Dieu. Frères et sœurs, voici les fondements de l'amour du Seigneur. Ça n'a rien à voir de tes temps de jeûne, de prière, de méditation, de jeûne, de prière, soi-disant, parce que tu pries, que tu jeûnes, que Dieu va se rapprocher de toi. Non! Dieu te sauve parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu fais des sacrifices. En décembre, il faut faire des sacrifices, il faut faire ceci pour se rapprocher de Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, dans son amour, il vient, il nous sauve. Et il nous fait rentrer dans cet amour, dans le repos du Seigneur. C'est ça ce que Dieu attend de chacun de nous. L'amour du Seigneur, c'est le repos, ce n'est pas l'inquiétude. Nous allons prendre un autre passage dans Jean 3, verset 16. On va lire à partir du verset 15, Jean chapitre 3, verset 15. Jean 3, 15. L'apôtre Jean a beaucoup parlé de l'amour du Seigneur. On va regarder Jean 3, verset 15 déjà. On va prendre à partir des 14, c'est un peu plus haut. Or, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de Dieu.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez l'amour de Dieu, frères et sœurs? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le sacrifice dont Apocalypse 13, 8 nous parle ici, l'agneau qui a été tué dès la fondation du monde, il s'agit de la manifestation, la matérialisation de l'amour de Dieu. Et Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu consiste au don. Pas le don de ton argent, pas le don de ta maison, pas le don de tes biens, mais l'amour de Dieu a été matérialisé par l'offrande de son Fils, par l'offrande de ta dîme, par l'offrande de tes, soi-disant, de ton salaire. Non, c'est l'offrande de son Fils. Dieu a offert son Fils. Dieu, littéralement, a tué son Fils pour nous sauver, frères et sœurs, l'agneau de Dieu. Il a été sacrifié, il a été tué pour nous prouver de l'amour de Dieu, pour restaurer cet amour. Waouh! Oh, frères et sœurs! Donc, Dieu a tant aimé le monde. Comment? En donnant son Fils. Vous savez, nous aimons parfois nos frères, nos sœurs, nos parents, nos épouses, mais vous allez voir, généralement, quand il s'agit de la mort, chacun veut sauver sa vie. Quand tu vois le cadavre de l'autre installé dans ce cercueil, c'est difficile de dire non, que mon enfant sorte de ce cercueil et moi je vais le remplacer. Parce que chacun veut tirer sa vie, veut préserver sa vie, soi-disant. Mais Dieu n'a pas agi comme ça vis-à-vis de nous. Il a sacrifié son Fils. Dieu, littéralement, il a pris la forme humaine et il s'est tué lui-même à la croix, en fait que nous ayons la vie. Quel amour! Et Jésus va nous dire que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Littéralement, Dieu va prendre la forme humaine pour sauver l'homme du péché. Et c'est ça l'amour de Dieu. Dieu nous sauve en prenant notre forme. C'est pourquoi il pouvait ressentir la fatigue. Il pouvait ressentir la faim. Il pouvait subir les injures de l'humanité, même sur cette croix. On pouvait se moquer de lui. On pouvait cracher sur lui. On pouvait le flageller. Mais c'était Dieu parmi les hommes. Emmanuel. Yahweh au milieu des hommes. Yahweh marchant. Regardez l'amour de Dieu. Emmanuel était là, Dieu parmi nous. Il marchait parmi nous. Il nous prouvait son amour chaque jour. Il y avait des paralytiques même dans le temple. Jésus les restaurait. Il y avait des malades. Dieu les guérissait. Il y avait des boiteux. Dieu les restaurait. Des aveugles. Il ouvrait les yeux. Et l'humanité était heureux de voir Dieu parmi eux. Mais aussitôt, l'homme va chercher à détruire Dieu parmi les hommes. Ils vont le livrer à Hérode. Le livrer à Pilate et on va sacrifier Jésus, littéralement. Et Ésaïe va dire qu'on le voyait comme condamné, frappé par Dieu. On va le lire, Ésaïe 53. Je voulais vraiment, frères et sœurs, nous rappeler cet amour du Seigneur parce que parfois quand on est chrétien, on oublie que nous sommes sauvés par grâce, que ce n'est pas parce que nous prions beaucoup, ce n'est pas parce que nous lisons beaucoup la Bible que Dieu c'est révélé à nous. Ce n'est pas parce que nous aimons la justice de Dieu. Non. C'est la grâce du Seigneur. Si je suis sauvé,
Ce n'est pas parce que Willy est exceptionnel, non. C'est la grâce de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter le salut. Je n'ai rien fait pour être chrétien aujourd'hui. Non. La preuve, c'est qu'autrefois, on pouvait aller avec des femmes, on pouvait mentir, on pouvait tricher en classe, faire toutes les abominations possibles. On croyait mieux faire. Mais lorsque Dieu s'est révélé à nous, on s'est rendu compte qu'on était tellement éloigné de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. Personne n'a mérité d'être chrétien aujourd'hui, d'être appelé chrétien, d'être appelé disciple de Dieu. Personne. Nous étions tous des abominables, tous des impies, tous des rebelles vis-à-vis de la parole. Si ça n'a été la grâce de Dieu, personne n'était sauvé, ne serait sauvé. Si Dieu n'était pas descendu pour sauver l'homme, nous étions tous perdus pour l'éternité. Voici l'amour de Dieu. Personne n'est juste. Personne n'a été juste. Si ce n'est Jésus seul. Jésus seul est juste. Jésus seul a été jugé digne, nous dit la parole de Dieu. Ésaïe 53, on va le lire, à partir du verset 1er. Ésaïe 53, verset 1, la Bible nous dit ceci. Qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait en lui ni beauté, ni splendeur quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce qu'est la maladie. Et nous avons comme caché nos visages. Et nous avons comme caché son visage devant lui, tant il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous avons estimé qu'il était frappé, battu par Dieu et humilié. Mais il était transpercé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Nous avons été tous errants. Comme des brebis, nous nous sommes détournés, chacun suivait son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous, opprimés et humiliés. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tond. Et il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Vous voyez l'amour de Dieu, frères et sœurs. Ce chapitre d'Ésaïe 43 nous parle de l'agneau de Dieu. La Bible dit que nous le voyons comme frappé par Dieu, maudit littéralement. Mais c'est de nos fautes qu'il s'est chargé. C'est de nos transgressions, nos iniquités, nos péchés que Jésus s'est chargé à la croix. Si Jésus n'allait pas à la croix, nous devons mourir pour nos péchés et tous nous étions condamnés pour l'enfer. La preuve que nous étions condamnés, nous étions séparés de Dieu. Mais il a été frappé par Dieu pour nos iniquités. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, quel jugement! Il a été frappé, frères et sœurs, d'abord par les hommes et frappé par Dieu. Pourquoi il devait subir le poids de l'humanité, le poids du péché de l'humanité, le poids, le sang humain, le sang innocent qui est versé dans nos villes, dans nos cités, dans nos familles? Il fallait que Jésus porte le péché de l'humanité à la croix. Il fallait que le jugement de Dieu tombe sur lui pour que l'homme soit restauré, pour que l'homme soit sauvé. Il fallait que quelqu'un meure et qui devait mourir, c'est Dieu lui-même. Il devait prendre la forme humaine, monter à la croix et mourir, frères et sœurs. Littéralement, être tué. Et il va nous dire que ce n'est pas qu'on l'a arraché sa vie.
C'est lui-même qui a donné sa vie. Jésus, littéralement, a accepté de mourir pour toi et moi. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espérance pour toi. Au-delà de tes problèmes au quotidien, il y a de l'espérance. Parce que Jésus est mort pour toi. Jésus a témoigné qu'il t'aime. C'est ça le plus important. Au-delà de nos problèmes sociaux, au-delà de du chômage, des situations de famille, de l'entourage, de l'environnement où tu as grandi, où tu vis, Jésus témoigne de toi que tu es son fils, que tu es sa fille. La preuve, c'est qu'il a accepté de mourir pour toi. Quel est le membre de ta famille qui a accepté un jour de mourir pour toi? Tu as été condamné en prison, tu as fait la prison, tu as connu le rejet, tu as connu les fausses accusations, tu as connu les fausses condamnations, mais Jésus a accepté de porter ça pour toi. C'est pourquoi il y a de l'espoir, toi qui es désespéré. Il y a de l'espoir, toi qui es condamné. Il y a de l'espoir pour toi, toi qui es déçu des hommes, des églises, de ton entourage. Il y a de l'espoir parce que Dieu t'aime. Il y a l'amour de Dieu qui témoigne aujourd'hui pendant que tu m'écoutes. Jésus t'aime et il te le rappelle qu'il t'aime plus que les hommes, plus que tes copines, plus que les femmes, plus que ton père, ta mère, tes oncles, tes enfants. Jésus t'aime. Même si tes enfants t'ont abandonné, je veux te dire ce soir que Jésus t'aime. Parce que son amour brûle encore pour toi. Jésus veut te sauver. Alors viens te réconcilier avec le Seigneur. Parce que Jésus nous a donné le ministère de la réconciliation. Pourquoi? Par le péché, nous avons divorcé avec Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Mais Jésus, par son amour, le sacrifice à la croix, il est venu nous réconcilier avec le Père. L'amour de Dieu. Oh, frères et sœurs. Alors, on va prendre Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. On va le lire. Nous parlons de l'amour de Dieu. Effectivement, c'est pas l'amour, c'est pas l'amour éros, l'amour qui amène les hommes à tomber dans l'impudicité, dans la fornication. Non, c'est pas ça. C'est pas cet amour. C'est pas l'amour philéo, l'amour qu'un père peut avoir pour son fils ou pour sa fille. Non. Ça, c'est l'amour agapé. Et je vais prendre le verset 37. La Bible nous dit ceci. On va prendre peut-être 36 d'abord un peu plus haut. Le verset 36. Docteur. Bon, je vais prendre un peu plus haut. Hein. Apparemment, on peut monter encore. Hein, encore un peu. Oh, OK, verset 34. Donc, Matthieu 22, verset 34. Quand les pharisiens apprirent qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, et ils se rassemblèrent dans un même lieu. Et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver en disant, « Docteur, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Celui-ci est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Est-ce que vous voyez, frère, un résumé que Jésus nous donne de la parole, de la Torah? Il nous dit, il nous enseigne que aimer Dieu de toute sa pensée, toute sa force, est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu. Frères et sœurs, mais comment Winnie va aimer Dieu? Comment puis-je aimer un Dieu aussi grand? Un Dieu que je me demande s'il existe. Comment puis-je aimer un Dieu comme enseigné à l'école de dimanche que c'est un Dieu qui est éloigné de moi? Comment aimer un Dieu comme a dit dans mon bâtiment que dans notre assemblée? Que ce Dieu n'écoute que ceux qui sont devant. Comment aimer ce Dieu? Comment on m'a tellement enseigné qu'il est lointain? Oh mon frère, l'amour de Dieu.
Jésus nous dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et nous savons que cet amour, c'est Dieu qui déverse en nos cœurs pour que nous l'aimions. Effectivement, c'est un pharisien qui vient poser la question au Seigneur en lui disant, docteur, oh frère et soeur, il dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Mais souvent, notre cœur est aimé par nos richesses. Notre cœur, on l'a voué à la richesse. On l'a voué au ministère. On l'a voué à notre assemblée. On a donné notre cœur à notre nation. C'est pourquoi vous voyez le nationalisme de plus en plus grandissant dans nos pays. Le racisme, le tribalisme, le régionalisme, toutes ces choses, ça a tellement gagné nos cœurs, nos biens, notre fortune, notre renommée, notre réputation. Mais Dieu veut que nous l'aimions de toute notre force, de toute notre pensée. Notre pensée doit être remplie de l'amour de Dieu. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Il dit, voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes d'accord que si nous aimons notre prochain, nous n'allons pas mentir. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas mentir. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas tricher. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas aller violer ses enfants. Tu ne vas pas voler, casser sa maison. Tu ne vas pas détourner l'argent de ton entreprise. Non, si tu aimes ton prochain, tu ne feras pas du tort à ton prochain. Tu ne vas pas convoiter parce que tu aimes ton prochain. Tu ne vas pas trahir cet amour. Mais malheureusement, nous sommes dépourvus de cet amour agapao. Nous ne l'avons pas dans nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes toujours poussés vers le mal. La preuve que tu n'as pas l'amour du Seigneur, c'est la pratique du péché. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas aimer le péché. L'amour de Dieu t'éloigne du péché. L'amour de Dieu t'éloigne du mensonge. Regardez, on va aller à 1 Jean chapitre 1 Jean 5. On va lire l'épître de Jean, 1 Jean. On va prendre 1 Jean chapitre 4. Hein? On va prendre 1 Jean chapitre 4. Ok. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset. On va prendre à partir du verset 7. 1 Jean 4, à partir du verset 7. 1 Jean 4, verset 7. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité est de Dieu. Et quiconque aime son prochain est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est charité. La charité de Dieu a été manifestée envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cette charité consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Waouh! Frères et sœurs, Dieu nous témoigne ici que l'amour de Dieu, ce n'est pas que nous, nous l'avons aimé, mais c'est Dieu qui a envoyé son Fils. Dieu qui a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. Il est venu comme ce sacrifice pour nous, pour ôter le péché de l'humanité. Voici l'amour de Dieu, frères et sœurs. Dieu nous dit que quiconque aime Dieu, il doit aimer son prochain. Celui qui aime son prochain, il est né de Dieu, il a connu Dieu et il connaît Dieu. Vous voyez? Donc connaître Dieu, c'est le fait d'aimer son prochain. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui voit son prochain qui a faim, qui ne lui donne pas à manger, celui-là n'a pas connu Dieu. On va le voir dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, on va prendre rapidement.
Romains chapitre 12. Romains 12. Je vais rapidement prendre la référence pour que nous lisions ensemble. Romains 12 à partir du verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Verset 9. La Bible nous dit ceci dans Romains 12, verset 9. Que la charité soit sincère. Ayez en horreur le mal, attachez-vous à ce qui est bon. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Ne soyez pas paresseux à vous employer pour autrui. Soyez brouillants de chaleur de l'esprit, servant le Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière. Prenez part aux besoins des saints. Empressez-vous à exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez-les et ne les maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez une même pensée les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez les choses honnêtes devant tous les humains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Ne vous vengez pas vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Si donc ton ennemi, je voulais qu'on s'apesantisse ce passage, si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu amasses des charbons ardents sur sa tête. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alléluia. Donc, voici l'amour du Seigneur, frères et sœurs. Nous devons pratiquer le bien. Nous devons vivre le bien. La Bible dit, sois vainqueur du mal. Le chrétien qui a l'amour du Seigneur est vainqueur du mal. En quoi faisant? En manifestant le bien. En posant les actes d'amour vis-à-vis de son prochain. En lui donnant à manger, le soutien. En lui apportant ce qu'il peut vis-à-vis de l'autre, de son prochain. L'amour du prochain. L'amour de Dieu. L'amour des intéressés. Il dit, il faut vaincre le mal par le bien. C'est ça l'amour agapao, l'amour désintéressé. Quelqu'un a de la haine vis-à-vis de toi. Toi, tu dois manifester le fruit de l'esprit. Tu dois l'aimer parce que l'amour du Seigneur a été déversé dans ton cœur par l'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu. Tu vas aimer, tu vas soutenir ton prochain, tu vas l'encourager. Tu ne vas pas l'haïr, tu ne vas pas chercher à le tuer ou à te venger, non. Tu vas laisser agir la colère de Dieu, mais tu vas aimer ton prochain. Tu vas apporter ton soutien à ton prochain. Pourquoi? Parce que ton prochain est aussi à l'image de ton Créateur. Frères et sœurs, l'homme, nous avons besoin de ça. Vous savez, nous voyons dans nos villes, tu peux... Même ceux qui sont élevés en dignité, lorsqu'ils arrivent, ils ont des conflits, ils vont chercher soit à éliminer physiquement l'autre. Parce qu'il y a cet amour qui manque à l'être humain. Une femme qui a été trahie par son mari, elle va chercher à divorcer. Elle va chercher soit à le tuer, vice-versa. Des enfants qui sacrifient leurs parents parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent de la gloire. L'amour de Dieu manque à l'humanité. Et l'être humain a besoin d'apprendre cet amour.
Parce que nous ne l'avons pas, nous ne le manifestons pas. Et si nous le manifestons, c'est parce que Dieu, au travers de la délivrance du salut en Jésus-Christ, déverse cela dans mon cœur. Et mon cœur peut battre vis-à-vis de mon prochain. Mon cœur peut battre pour aimer mon prochain. Ce n'est pas cet amour du Saint-Valentin. Ce n'est pas cet amour soi-disant de qu'on voit en février, soi-disant que chacun va manifester vis-à-vis de sa copine en disant non, en lui offrant des fleurs. Non, ce n'est pas cet amour. Ça, c'est l'amour du désordre. Ça, c'est l'amour de l'impudicité. Mais nous voulons l'amour de Dieu. Celui-là qui ne profite pas. Je vais prendre ce passage pour terminer. On va prendre Romains, 1 Corinthiens chapitre 13. On va terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er, qui nous parle de la charité. Effectivement, c'est l'amour agapé, l'amour désintéressé. Paul va nous dire ceci. Quand je parlerai toutes les langues des humains et même des anges, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'agapé, la charité, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. La charité est douce. La charité n'est pas envieuse. La charité n'use pas d'insolence. La charité ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malséant. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. La charité couvre tout. Elle croit tout, espère tout et supporte tout. La charité ne périt jamais. Waouh, frères et sœurs. La prophétie, les prophéties seront abolies et les langues cesseront. La connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant, nous voyons à travers le miroir, en énigme. Mais alors, nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Or maintenant, ces trois choses demeurent. Alléluia. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité, frères et sœurs. La plus grande de ces trois choses, c'est la charité. La charité, l'amour agapé, l'amour agapao, l'amour de Dieu. Paul nous dit c'est le plus grand, c'est la plus grande chose parmi les trois. L'amour de Dieu. Il dit même si je livrais mon corps à être flagellé, à être brûlé, comme on voit des personnes qui sont devenues des djihadistes, qui vont se faire sacrifier, se faire bombarder, soi-disant c'est pour l'amour, l'amour de leur divinité. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Paul va dire, même si je me sacrifiais, même si je parle la langue des anges, la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour agapé dans mon cœur, cela ne me sert à rien. Oh, frères et sœurs, combien de personnes nous ont soi-disant témoigné de leur amour, de l'amour qu'ils avaient pour nous. Après, ils nous ont trahis. Mais Dieu, dans son amour, c'est un amour désintéressé. La Bible nous dit que l'amour du Seigneur ne cherche pas son intérêt.
L'amour du Seigneur ne s'enorgueillit pas. Regardez nos parents ou notre entourage. Moi, je suis père, j'ai des enfants. Mais souvent, quand nous investissons dans leur vie, demain, lorsque ces enfants vont réussir, on va dire non. Si on a demandé un service à nos enfants qui n'arrivent pas à nous le rendre, on va dire, ah, et pourtant j'ai investi pour ta vie. Ça, c'est l'humain. Ah, c'est l'être humain. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous a aimés, c'est un amour désintéressé. Il ne demande rien en retour. C'est ça l'amour d'un père. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour désintéressé, frères et sœurs. Un amour qui ne profite pas. Un amour qui ne cherche pas son intérêt. Un amour qui ne calcule pas. Non, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Dieu nous a prouvé son amour en ce que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Ça, c'est ce que je voulais nous dire comme parole de fin. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé, le Dieu véritable, est mort à Golgotha, flagellé, rejeté par les hommes, pour nous. Voici la preuve de l'amour de Dieu. C'est pourquoi toi qui n'es pas chrétien, tu peux encore entrer dans cet amour, tu peux vivre cet amour parce que Dieu l'a prouvé envers toi, envers moi, en ce que son Fils unique est mort à la croix pour nous. Voici l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas dans nos religions, n'est pas dans nos bâtiments, ce n'est pas aller cirer les chaussures de ton pasteur, ce n'est pas aller cirer les chaussures aller essuyer la sueur de ton pasteur, transposer sa Bible, devenir son MC ou son porte-parole ou le président de ton assemblée. Ce n'est pas ça l'amour de Dieu. L'amour du Seigneur, c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui cherche le ciel. C'est un amour attaché à Dieu et non aux hommes. C'est un amour que nous prouvons d'abord envers notre Créateur et nous le matérialisons envers notre prochain. C'est ça l'amour de Dieu, frères et sœurs. Parce que Jean va nous dire, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton prochain, tu es un menteur. Car comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton prochain que tu vois? L'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu ne dois pas tromper ta femme. Tu ne dois pas tromper ton mari. Tu ne dois pas battre ta femme, battre ton mari. Non! Tu dois l'aimer. Tu dois le supporter. Tu dois l'encourager. C'est ça l'amour de Dieu. Donc, frères et sœurs, vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur. Nous voulons bénir son nom. Je crois que vous avez été encouragés par cette émission. Et nous voulons dire merci à notre Dieu. Donc, à vous qui nous avons suivis, vous qui étiez câblés pour suivre cette émission, nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie, que cet amour soit davantage déversé dans nos cœurs. Que toute la gloire lui revienne. Bonne soirée à tous.